Dis donc, Sébastien, en montant, là, j'ai doublé tous ces randonneurs avec leurs bâtons. Vous, en trail, je vous ai déjà vu avec des bâtons. C'est quoi le plus des bâtons? C'est obligatoire? Alors, en trail, très souvent, sur les courses, on a un choix. C'est un choix personnel. Et on va dire que au niveau du trail, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir utiliser ou ne pas utiliser les bâtons pour pouvoir vraiment optimiser par rapport à ses capacités. Quelquefois, sur certaines courses, les bâtons sont interdits, hein, pour des raisons logistiques. Maintenant, c'est vrai que c'est un plus au niveau des appuis, ça permet de mieux grimper, soulager, de soulager, et puis voilà. Idem, là, toi, je me suis mis mes manchons de contention pour avoir un look de trailer, mais le look, c'est une chose, et ces manchons? Alors, au niveau des manchons, l'avantage, donc, ça favorise ce qu'on appelle le retour veineux, c'est-à-dire que ça aide le sang et les veines à remonter le sang vers le cœur, le sang qui est... Là, n'est plus oxygéné. Et c'est vrai qu'on voit des manchons de compression des cuisses ainsi que des mollets. Et en fait, l'intérêt de ce type de produit, c'est vraiment aussi de maintenir le muscle dans les descentes. Ça évite les chocs à répétition, ça évite les petites lésions musculaires et ça permet de durer un petit peu plus longtemps. Ok, bon voilà, on a fait un entraînement, j'ai pris juste ma gourde. Alors pareil, il va me falloir une poche à eau. Oui, alors selon les distances, pareil, là c'est un petit peu à l'appréciation de chacun. Tu vas pouvoir utiliser pour l'entraînement ou pour les distances plus courtes des bidons. Un bidon hein, dans lequel tu vas mettre de la boisson énergétique qui va te permettre de boire régulièrement. Mais après, selon les distances, tu vas pouvoir augmenter le volume que tu vas emmener. Hein, avec une poche à eau dans un sac dans lequel tu vas avoir ton matériel obligatoire, ton matériel de sécurité qui est souvent demandé par les organisations. Et après, j'ai toute ma cartouchière de barres de céréales, de gel. Voilà. Alors, autant sur marathon, je sais que c'est tous les 5 ou 10 km comme moi pour un coureur de haut niveau de prendre mon gel parce que je sais que je vais avoir un ravitaillement en haut derrière. Et entre elles, je fais comment moi mon gel, est-ce que j'ai un ravitaillement derrière? Tu peux calculer le coût, entre guillemets, par rapport à ce que te donne comme information l'organisation. Mais c'est vrai qu'en trail, on va consommer un peu plus de solides, un peu plus de barres énergétiques, des gels un petit peu plus régulièrement. On ne va plus travailler sur la notion de kilométrage, mais on va travailler en temps. Comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, toutes les demi-heures, trois quarts d'heure, on va prendre un gel et puis on va continuer à s'alimenter régulièrement avec des morceaux de barres énergétiques et de la boisson, bien sûr, de manière à bien assimiler tout ça. Et donc, lorsqu'on fait du trail, on s'alourdit. Hein. Donc, la poche à eau, naturellement, mes chaussures, je le vois bien, là, j'ai mis des chaussures de trail qui sont un petit peu plus lourdes que mes chaussures de coureur sur route où j'ai du pied et je trouve ça agréable. Donc là, il fallait que je m'habitue avec ça. C'est vrai qu'il y a plus de grippe, mais là aussi, le poids doit intervenir dans les chaussures de trail. Alors, au niveau des chaussures, l'objectif des chaussures, ça va vraiment être, bien sûr, l'utilité, je dirais, sur les appuis, mais ça va être l'accroche et en plus la protection des pieds. Donc là, pareil, hein, ça ne sert à rien de prendre des chaussures qui soient beaucoup trop grandes. Ouais, les conseils qu'on disait autrefois, prenez deux pointures de plus. Non, ça c'est pas utile. Faut vraiment prendre sa pointure. Et puis après, c'est vrai qu'on augmente la protection au niveau de l'avant-pied, au niveau des orteils pour les chocs, les contacts qu'on pourrait avoir avec les rochers. Donc tout de suite, on a une chaussure qui est un petit peu plus lourde, à laquelle il nécessite vraiment plus de protection. Et pour tous les nouveaux trailers, je pense que c'est la même chose que le coureur sur route. La pommade anti-frottement sur les pieds, entre les cuisses, le bout des seins, tout ça, je pense que c'est... Alors là, on est pareil, hein, on est assez proche, préparation des pieds avec de la pommade, pareil, quelques semaines avant. Et puis, l'entretien des pieds, hein, de toute manière, c'est le seul contact que l'on ait avec le sol, donc c'est quand même très, très important. Je crois que tu m'as fait une belle checklist du trailer, je crois. Ouais. Là, on a passé à peu près tout en revue. Tout en revue. Bon, Dominique, tu vois le lac là-bas? C'est l'objectif. Allez, en route! Ah bah je te suis, coach, hein. Allez! Comme pour le trailer, la nutrition est un paramètre clé de la performance. Il y a en effet des principes de base qui sont les mêmes pour ces deux disciplines.
avant votre marathon ou votre trail, pensez bien à optimiser vos réserves énergétiques en buvant les 3 jours précédant votre épreuve du maltot. Pendant l'épreuve, une bonne hydratation et un apport d'énergie régulier vous permettront d'être performant et n'oubliez pas de fractionner l'apport hydrique et l'apport alimentaire solide. Il y a tout de même certaines spécificités pour l'alimentation du trailer. En effet, les ravitaillements doivent rester un plaisir. Variez bien les textures et les saveurs de ce que vous allez prendre. Variez entre les gels et les barres et vous avez des saveurs sucrées et salées. Comme par exemple, toutes les 45 minutes à 1 heure, un gel antioxydant. 45 minutes après, un gel énergique, saveur cacahuète. Ensuite, vous pouvez enchaîner à nouveau sur un gel antioxydant et un gel de fruits. Vous reprenez ensuite le salé, etc. Vous avez également des barres salées qui permettent de casser la saturation du sucré et de maintenir votre apport énergétique. Le trailer devra également adapter sa nutrition aux exigences du parcours, la topographie et les conditions climatiques, ainsi que l'altitude. Effectivement, il y a souvent des grandes variations d'altitude. Plus vous montez en altitude, plus vous allez perdre des degrés, et plus il fait froid, plus vous avez besoin de calories. En gros, plus vous montez, plus il faut rapprocher les prises pour apporter un petit peu plus d'énergie à votre organisme pour qu'il fonctionne bien. Enfin, qui dit longue distance dit accumulation de fatigue et baisse de vigilance. Pensez alors au caféine gel qui contient de la caféine qui est un psychostimulant pour bien rester éveillé.